CM la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo forcément marrante, c'est une vidéo, vous avez pu le voir, c'est pas très bien une surprise. Comme vous avez pu le voir au titre, j'arrête YouTube, ça y est, j'ai fait plus de 100 vidéos sur la chaîne. Depuis que je suis toute petite, je vous fais rigoler. J'ai fait beaucoup de vidéos. En plus, moi, j'ai envie d'arrêter YouTube pour me consacrer à mes études. Si j'ai envie de devenir médecin ou autre, bah, j'ai pas envie que quand on regarde mes vidéos YouTube, on me dise, ouais, tu vas faire un prank et tout à un patient. Je sais pas comment ils vont réagir, mes deux grands frères, parce que eux, ça fait 10 ans qu'ils sont sur YouTube. Donc, eux, c'est normal qu'ils continuent. Moi maintenant, j'ai envie d'arrêter. Et bah, j'espère qu'ils vont quand même bien réagir. Dans cette vidéo, on va leur amener, on va voir comment ça se passe. De toute façon, tout sera filmé, vous verrez leur réaction en direct. A few moments later. Et Mbappé à 19 ans, il était trop fort, il avait le niveau de Neymar Prime. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais respecte Neymar! Regarde, d'accord, il était fort, mais Neymar c'était un monstre, n'importe quoi. Eh, les garçons, je dois vous parler vite fait. Tiens, je veux quoi? Toi, tu vas pas en train de regarder Neymar, Mbappé et tout? Je dois vous parler, c'est important. Y'a quoi? Faut que je m'assoie. T'as faim? Tu veux quoi? Non, j'ai pas faim. Là, faut que je te parle vraiment sérieux. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas quand tu dis ça. T'as pas fait tes devoirs, tu t'es battu avec quelqu'un à l'école? Non, c'est pas à propos de l'école. Y'a quoi alors? Bah, t'es pas malade? Non. J'ai pas mangé ton repas, j'ai rien fait de spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Ça non plus. Bah vas-y, accouche, y'a quoi ouais? Bah en fait. Qui t'a embêté? Dis-moi qui t'a embêté. Personne m'a embêté. Qui t'a embêté? Dis-moi qui t'a embêté. C'est pas ça. Je vais arrêter YouTube. C'est pour ça que tu m'as appelé. Je vais arrêter YouTube. Vas-y, prends tes. Vas-y, va là-bas. Non, par contre, c'est sérieux là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas arrêter YouTube. C'est quoi le problème? Bah, je vais arrêter YouTube. Donc là, tu déranges Yacine et moi pour me dire j'arrête YouTube, tu prends la caméra, tu filmes, c'est comment? Je comprends rien là. C'est pas un problème, j'arrive, je veux vraiment arrêter YouTube. Genre, Zahama, du jour au lendemain, t'as envie d'arrêter YouTube alors que c'est toi tout le temps, tu me dis Younes, on fait des vidéos, Younes. C'est pas pour ça. Pourquoi tu veux arrêter YouTube? Y'a quoi? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises critiques? Y'a eu quoi? Y'a quelqu'un qui t'a embêté, qui t'a dit un truc? Dis-moi, y'a quoi? C'est parce que, en fait, moi, je me consacrer à mes études et si je veux devenir médecin et qu'ils vont voir sur YouTube que je fais des pranks, ils vont dire que je fais un prank à un patient et tout, ils vont pas m'accepter. Toi, médecin? Oui. Toi, tu vas être médecin. Tu sais qu'il faut faire bac plus 10. Je sais, mais justement, dès que j'aurai fait tout ça, bah après, ils vont voir que j'ai fait des pranks. Mais tu peux pas être médecin, t'as pas de calvitie. Non, mais attends. Là, t'es sérieuse? Là, on parle sérieux ou on rigole là? Parce que t'es en train de filmer. Non, là, pourquoi y a la caméra? Je parle sérieux, bah pour dire aussi aux abonnés. Comme ça, c'est pas parce que genre. Ah, Younes, je suis sûr, y a quelqu'un qui l'embête. C'est sûr. C'est pas pour ça, c'est parce que je veux me consacrer. Regarde-moi dans les yeux. Jure-moi, Wallah, y a personne qui t'embête à l'école. Wallah, y a personne qui m'embête à l'école. Je sais, c'est pas pour ça, c'est parce que je veux me consacrer à mes études et je veux devenir. Et alors, YouTube, c'est quoi le problème? Tu peux faire des vidéos et faire médecin? Mais parce qu'ils vont voir que je fais des pranks, après ils vont dire que je vais faire un prank à un patient. Mais n'importe quoi, Myrène, tu vas pas faire un prank à un patient, hein. Réfléchis, concentre-toi. Ça, c'est que ça la raison, que pour ça. Ah non, y a pas que ça, y a autre chose aussi. Parle avec elle, frère. Et aussi, la deuxième raison, j'en ai marre. À chaque fois que je sors avec maman, tous les gens dans la rue ils me disent Myriam. Mais les gens, ils sont gentils, ils sont pas méchants. Mais c'est pas qu'ils sont méchants, c'est que genre à chaque seconde, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Et ça te dérange? Ouais. Et aussi, s'il vous plaît, vous pouvez supprimer toutes les vidéos où je suis dedans. Quoi? Non, mais là, c'est une blague. Attends. Dis-moi que c'est une blague. Non. Bah, autant supprimer la chaîne YouTube, ça va plus vite. Si vous voulez. Là, t'es sérieux, c'était ça? Oui. Arrête tout ce qu'on a fait, tu parles comme ça. Si je veux me consacrer à mes études de médecin et que, si je veux arrêter que les gens ils m'interpellent dans la rue, bah c'est la seule solution. Moi, je sais pas quoi lui dire, Younes. C'est débrouille-toi avec Younes, moi je sais pas, je sais rien. Bah, en vrai, de vrai, autant supprimer la chaîne parce qu'il restera que deux vidéos. Non, mais là, attends. Là, tu rigoles pas, là. Non. Il a respiré dehors, moi. Mais je vous avais dit qu'ils allaient prendre mal, j'en étais sûr, moi je fais quoi maintenant? On l'a jamais forcé à rien faire. On lui offre des cadeaux, elle passe les meilleurs jours de sa vie sur YouTube et du jour au lendemain, elle veut plus faire de vidéos. Après, tu veux que je te dise quoi? Elle veut arrêter, on va pas la forcer. Du coup, tu vas tout supprimer. Bah, après, tu veux qu'on fasse quoi? C'est elle qui décide, elle est sur les vidéos. On va supprimer et on va recommencer à zéro, c'est tout, c'est pas grave. Y a pas de problème. Tu veux que je lui dise quoi? On va pas la forcer à faire des vidéos, Yacine. Mais je te promets, je suis sûr et certain qu'il y a une raison pour qu'elle dise ça. Je vais arrêter YouTube. Elle doit se faire haga, c'est sûr. Elle a dit, wallah, personne parle avec elle. Et moi, je vais tout le temps la chercher. Les gens, ils sont grave gentils. Et y a rien. C'est juste, peut-être, elle se fait menacer. Peut-être, tu lui dis, si tu parles, t'es. Elle a dit, wallah. Ça veut dire quoi? Par Dieu. Personne ment en disant par Dieu, à part Shaitan. Shaitan qui a menti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller la voir. Je veux dire, il n'y a pas de problème, Myriam. De toute façon, on l'a jamais forcé, c'est pas grave. On va faire ça. Entrez. Myriam, ah, oui. T'es là, enfin, je te cherchais partout. Bon, en vrai, on a discuté avec Yacine. Ouais. Et vas-y, tu vas arrêter YouTube. Oui. Vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, t'as vu, on t'a jamais forcé avec Yacine. On a toujours fait les choses parce que tu nous demandais. T'étais toujours contente de faire la vidéo. Si là, aujourd'hui, ça a changé, tu m'as assuré que personne t'embête. Rien. Arrête, il n'y a pas de problème. Vous avez supprimé les vidéos? Par contre, tu veux vraiment qu'on supprime toutes les vidéos? Oui. Il y a plus de, je sais pas combien de vidéos tu... Les procs et tout, c'est surtout les procs. Je supprime tout? Oui. T'es sûr de toi? Oui. Vas-y, c'est pas grave, tranquille. Travaille bien à l'école, c'est tout ce que je te demande. T'as vu, tu me ramènes un mot, ça va pas passer. Ok. T'as compris? Allez, mais s'il te plaît, commande-moi en fast-food, j'ai trop faim.
Pardon? Un fast-food. Comment ça? Un fast-food, je t'ai dit, c'est que pour YouTube. Mais là, tu fais pas de vidéo, y'a pas de fast-food. Que pour YouTube. Que pour YouTube. Hey, ta santé, elle est plus importante. T'ai dit, les fast-food, c'est que pour les concepts, les 24 heures, tout ça. Là, tu fais plus de vidéos, moi, je te prends plus de fast-food. T'es un crevard, alors. C'est que pour YouTube. Tu fous de ma gueule. Fais ça pour ta santé. Mange des fast-food tous les jours, tu vas devenir malade. T'as 10 ans, tu manges des fast-food. Arrête. Et les gens, ils mangent des fast-food tous les jours. Pas mon problème, j'en ai rien à foutre, dès lors, je te l'ai déjà dit. De toute façon, ta carte bleue, je vais la prendre. Ma carte bleue, tu vas la prendre. Elle est où, ma sacoche? Tu vas arrêter YouTube. Oui. Tu fais? Tu vas prendre ma carte bleue. Tu fais quoi? Tiens. Prends la carte. Tiens, tu commandes un numérique maintenant. Tu vas arrêter YouTube. Arrête YouTube maintenant. Oui. Une blague? Il a découpé sa carte bleue? Juste parce que j'ai arrêté YouTube? Oh les gars, c'est dingue là, la vidéo a tourné mal, wesh. Moi j'ai faim, j'ai pas envie de manger des brocolis, des lentilles tous les jours. Yassine. Quoi? Yassine a découpé sa carte bleue parce qu'il veut pas encore dans les barites. Comment ça? Il a découpé sa carte bleue parce qu'il voulait pas payer. Il voulait pas payer. Le Uber Eats. Mais pourquoi il voulait pas te commander un Uber Eats? Parce qu'il a dit c'est que pour les vidéos. Bah, il a raison. Pourquoi? Bah, il a raison, tu fais plus de vidéos, mais tu manges plus de fast food. Il a raison, faut manger des légumes. Tu peux jouer avec toi à la play? Non, là tu peux pas jouer, je vais lancer un live. Pars de la chambre, je lance un live. Tu veux plus faire des vidéos, t'as dit? Non. Bah, je vais lancer un live, il y a la caméra là. Vas-y, sors. Vas-y, va voir maman, sors, ça y est. Allez, frère. Ouais. Ouais, ça se fait trop pas ce qu'ils font. C'est pas parce que je veux arrêter les vidéos qu'ils doivent complètement me renier toutes les activités de la play, des Uber Eats. C'est pas parce que j'arrête les vidéos que c'est pour ça. Bah, tu dis. Yassine, mais pas urgent! Qu'est-ce qu'il y a? C'est dire que j'ai pas 4 cadeaux, on pourra plus les faire dans la vraie vie? Bah non, c'est fini, tu fais plus de vidéos, il y aura plus de cadeaux pour toi, ça y est! Bah oui, t'en auras plus, tu fais plus de vidéos, ça, tu peux pas avoir de cadeaux. Faut passer dans les vidéos pour avoir des cadeaux. On peut pas les faire dans la vraie vie? Non, on peut pas les faire dans la vraie vie. Je crois que les gens dans la vraie vie, ils se font des 24 cadeaux, ça existe pas. À Noël? Non, on fait pas Noël, nous, Myriam. Ouais, j'aurai pas de cadeaux. Ouais, je sais pas, mais alors, en tout cas, pour les vidéos, c'est que pour les vidéos, les 24 cadeaux. Là, actuellement, tu fais plus de vidéos, t'as pris la décision d'arrêter les vidéos, donc tu auras plus de cadeaux. Même les vacances. Les vacances, c'est seulement pour ceux qui font des vidéos YouTube. Parce que ceux qui sont dans la vidéo peuvent voyager, sinon tu peux pas voyager, désolé. C'est bon, t'as plus rien à me demander là? Bah, en gros, je suis rayé de la famille, je suis plus ta soeur. Pourquoi t'es plus ma soeur? Bien sûr que si t'es ma soeur. Bah, je vais plus en voyage! J'ai plus de cadeaux. Bah en fait tout ce qui est en vidéo tu ne peux plus le faire parce que tu veux plus passer dans les vidéos. Et vu que nous on fait pas mal de vidéos, bah y a des choses que tu pourras plus faire avec nous, c'est normal. Sinon tu restes ma soeur, hein. J'irai te chercher à l'école, je te défendrai si t'as un problème, y a pas de soucis, si t'as besoin d'aide je t'aide. Mais désolé, tu peux plus faire de vidéos, t'as dit tu peux plus. Ok. C'est comme ça. 1 hour later. Qu'est-ce que tu manges là? Bah je vais pas crever de faim, vous voulez pas me prendre en fast food, bah je mange. Ouais mais ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi? Bah c'est un éclaireur de café, c'est le café, c'est ce qu'ils mangent les mamans et les papas, c'est équilibré. T'es sérieuse là? Oui. Je vais le dire à Younes. Younes! Non, c'est bon, je veux pas de une pomme à la place. Tiens, ouais, je préfère. Ça c'est pour les vidéos, tu fais plus de vidéos, ça y est, tiens. Je vais garder dans le frigo pour les vidéos. Ah grave, c'est bon les pommes, c'est bon pour la santé. Je sais pas pourquoi je vais boire l'éclaireur de café. Younes? Ouais. Est-ce que pendant les 24 bouffes que tu vas faire du coup avec Omar et tout, est-ce que tu pourras me laisser les restes? Que moi je te laisse des restes de bouffe, est-ce que j'ai déjà laissé des restes de fast-food? Tu peux pas faire une exception? C'est quoi, vas-y, je te laisserai un fast-food par mois. C'est bon, j'ai réfléchi, t'as raison, si tu veux arrêter, y'a pas de problème, je te laisse un fast-food par mois. C'est-à-dire quand tu veux dans le mois, tu me dis Younes, fast-food, te commande ton fast-food. C'est bon? Désolé pour ma réaction de la carte bleue. Tu pourras m'accompagner pour refaire une autre carte bleue du coup? Mais tu me laisses des restes? Non, les restes, je laisse pas de restes, moi. Je crois que je vais laisser un grec, je vais laisser des restes, ça va pas ou quoi? Moi, je vais laisser un peu de viande ou je sais pas. Non, désolé, rien face ou par moi, ça suffit. En fait, t'as supprimé la vidéo? Je vais le faire, t'es sûr de toi, c'est ta dernière décision. Oui. Tu dois supprimer toutes les vidéos. Oui. Oh là là, toutes les vidéos qu'il y a avec Myriam, ça en fait beaucoup à supprimer. Comment je fais supprimer tout ça, ouais? Myriam, c'est YouTube, t'écris YouTube. C'est devenu la base de YouTube, Myriam. T'es marre toutes les vidéos qu'il y a. Oh là là, mais je vais passer toute ma vie à tout supprimer. Hey Yassine, c'est une dingue ce qu'elle m'a dit. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, je sais, mais qu'est-ce que je te dis? Parce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chacun notre tour. Et chaque jour, on va supprimer une vidéo chacun notre tour. Et au bout d'un an, on aura tout supprimé, je pense. Après, je vous cache pas qu'il y a un point positif. Au moins, on aura plus à faire ces vidéos-là où Myriam, elle nous torture toute la journée pendant 24 heures. Ah ouais, attendez, ça se fait. Attendez, je vais vous dire un truc très important. Asseyez-vous. Je vais dire quoi? Cette fois-ci, on doit quitter la maison, c'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas nous dire cette fois-ci? Je dois vous dire un truc que vous aussi, vous devez arrêter YouTube. Je raconte quoi, là? Parce que, en fait, si je veux devenir médecin, après, mes collègues au travail, ils vont me dire « Ah ouais, t'es fric, c'est YouTuber et tout, ils vont faire des procs. » Attends, mais je suis désolé, hein, t'es ma soeur, t'as vu? Je fais ce que je veux de ma vie. Ça va pas, ouais. Ça va pas ou quoi? Mais c'est mal vu, après, pour mon travail. Mais comment ça, c'est mal vu? T'as qu'à dire que tu ne nous connais pas, si tu veux, si on te fout la honte comme ça. T'as honte de nous, t'as qu'à dire que tu ne nous connais pas. Tu dis « Je les connais pas, ces deux zigotos, ils font partie de ma famille, mais ils sont pas vraiment de ma famille, c'est tout. » Moi, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire quand même, Myriam. Moi, je t'ai jamais dit ce que tu dois faire dans ta vie. C'est obligé. Comment ça, c'est obligé? Vous voulez que j'ai un bon avenir, c'est ça? C'est une blague. Tiens, mets du parfum, peut-être ça va t'aider. Tiens, vas-y, fais comme ça. Mets du parfum. Vas-y, sens la bonne odeur. T'as toujours le même avis? Oui.
Je suis désolé, hein, mais je vais pas arrêter pour toi. J'ai pas arrêté pour les gens, j'ai pas arrêté pour toi. Je vais te dire un autre truc. T'es un prank. J'en étais sûr. Comment vous voulez qu'elle arrête YouTube alors qu'elle a des fast-food, des cadeaux, des fous? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc c'était sûr que c'était un prank. Younes, elle a craqué sa carte pour la vidéo. Ma carte bleue, on fait comment maintenant? Ma carte bleue, on fait comment? Je peux plus payer. Voilà, je me suis vengé le prank du clown que vous m'avez fait. Tu vas me donner toutes tes ressources, tu vas aller farm de l'argent et tu vas me ramener de l'argent. Et puis je vais vendre avec vous sur un Call of Duty. Tout ce que t'as dit depuis le début, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est un prank. Oui. Tu veux vraiment continuer YouTube? Oui. T'es sûr de toi? Oui. Fais un pacte. Yes. Mais les gars, les vidéos sans Myriam, ça allait être nul. Parce qu'à chaque fois, on la martyrise. À chaque fois, je la bats dans les défis fast-food. Et tu veux devenir médecin? Oh, je veux devenir coûteur de pâtisserie. Ouais. Mais non, t'as dit que t'allais être médecin. Ça, par contre, c'est pas un propre médecin. S'il te plaît, fais médecin. À chaque fois, j'ai des douleurs. Tu pourras me soigner. La flemme de faire 8 ans de bac. Vas-y, moi, je croyais qu'elle voulait faire médecin. Tu déconnes, Myriam. Non, mais attends, vraiment, je peux faire le Call of Duty? T'es nul à Call of Duty. Je suis forte à Call of Duty, je te. Moi, je te laisse là. Je vais passer une bonne journée. Je vais aller faire un fast-food. J'ai dit je. S'il te plaît, non, pourquoi? J'ai dit je. Non. J'ai dit je. C'est moi la boss des pranks. Dis que je suis la boss des pranks. C'est vrai, ça, je suis la boss des pranks. Et t'as dit que tu voulais plus me faire 24 cadeaux. T'as dit ça? Ouais. Oui, je veux plus de 24 cadeaux. Dans la prochaine vidéo, tu vas donner tout ton compte. Tu vas ralasser tous les cadeaux que je veux. Quoi? Voilà, pour la peine, fallait pas dire ça. En ça, je peux te dire un truc? Quoi? Tu veux pas vraiment arrêter YouTube? Non! J'ai 45 ans. Et quand j'ai 45 ans, c'est une expression. J'ai pas vraiment 45 ans. Je viens de me faire avoir par ma petite soeur comme ça. Elle m'a dit droit dans les yeux, j'arrête YouTube. J'ai pas su qu'elle disait un mensonge. La honte! En 10 ans de YouTube, je me fais avoir par elle. Je vais prendre ma retraite, moi je crois. Les gars, Younes, c'est un malade, il a craqué la carte bleue, c'est un truc de ouf. Hey, mais si je recolle tous les morceaux, peut-être que la carte elle va marcher et je pourrais utiliser tout l'argent du compte. En tout cas, mon retour sera terrible. Cette vidéo vous aura plu, en tout cas, elle m'a beaucoup plu. C'est ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Ils me forcent pas à faire des vidéos. Si je veux faire des vidéos, je fais des vidéos. Si je veux arrêter demain, j'arrête demain. Et vous savez quoi? J'arrête pas parce que je suis la boss de la coach familiale. Ciao, ciao! Bye!